Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, nous sommes ici pour continuer Fuga Melody of Steel. Après deux lives déjà, un énorme dimanche dernier et un plutôt sympathique aussi hier, c'est parti. Vendredi pour continuer Fuga Melody of Steel. Le premier du nom, le second vient de sortir. Mais voilà, il était grand temps que je me le fasse, c'était un jeu qui était mine de rien depuis un petit moment sur ma liste des jeux à faire. Hop, on en est rendu au chapitre 7. Sur je ne sais plus combien, je crois qu'il y en a 12. Il me semble, hein. Il me semble qu'il y en a 12. Donc aujourd'hui on va se faire le 7, peut-être le 8, dans la foulée. Nous verrons bien jusqu'où ça va nous mener. En espérant qu'on n'ait pas un bug comme hier en faisant du truck là. C'était très chiant. Espérons que ça ne bug pas cette fois-ci. Munition à risque. On va infliger malchance à un ennemi. Ouais, s'en fout. C'est parti pour le troc. C'est sur quoi que ça buguait déjà, je sais plus. Faisons quand même attention. Hein. Je prends des culasses. Ok. Ça fait voir. Il nous faut de l'acier, mais l'acier, on peut pas encore l'avoir en magasin. C'est ça le problème. Il me faut des chargeurs aussi. Pour agrandir l'atelier, il me faut quoi? Outils complexes, titane, plan avancé, la vache. Chaîne en bambou, chaîne acier. Ok. Lampe à énergie, batterie standard. Ok, faudra faire pas mal de meutons là et de poulottes. Des bonnes grosses poulottes. Ok. Chargeur. Ça, il nous en faut, on a dit. La tôle, on est comment? La tôle, il en faut, mais... Ah ouais, là, 20. Ça va en bouffer 20 sur les 33 qu'on a. Et puis là aussi, il en faudra. Ouais, il faut refaire de la tôle aussi. Ah putain, mais ça... Oh là là, mais le bug est toujours là. T'es abusé. Alors est-ce que ça le fait que sur la tôle? Je crois qu'on teste. Le bug est toujours là, putain. Hop, on ferme. Du coup, on y retourne. Du coup, attendez, je vous cache ça, parce qu'il va y avoir des infos.
Ok. Est-ce que ça le fait que quand c'est la tôle? Elle est où la tôle? Non, l'acier, faut le garder. Putain! Alors, on dirait que ça le touche que quand c'est la tôle, c'est abusé. Putain! Non mais c'est abusé parce que si c'est un bug que j'ai tout le temps, au bout d'un moment je vais pas pouvoir faire évoluer grand chose quoi. Ça va vraiment nous causer des petits soucis pour l'évolution quoi. Chiant. Chiant, chiant, chiant. Oui, allez hop. Hop, voilà. Très chiant même. Oh mais... Mais abusé! Mais comment ça? Non mais... Possible. On peut interagir comme ça, mais c'est tout. Bah tant pis, on va pas faire de troc, hein, mais bon. Pour la suite de l'aventure, ça risque d'être compliqué, hein. Et au vu les aventures de sucre, c'est de mieux en mieux. Ah! Et même fil d'épisode 6. Cette zone est proche de la terre sacrée des incantations, donc beaucoup de Pelinekos dotés de pouvoir se rassemblent ici. Les barmans semblent les cibles en priorité. Semblent les cibler en priorité, il paraît même qu'il existe des camps de prisonniers hyper sécurisés. Ah. J'ai échappé au berment et je me cache ici. Au moins, je suis soulagé. Vous n'allez pas fuir. Vous êtes des enfants bien courageux. C'est pas grand-chose, mais prenez ceci. Il pile un peu de viande. Est-ce qu'on peut quand même choper... s'il vous plaît, voilà, le grand kit de réparation, merci. Putain, il m'emmerde. Fais voir. Qu'est-ce qu'il me faut? Canon, c'est bon. Il faudrait du ressort et du chargeur. Oh putain. Allez, vas-y, on va arrêter de faire du troc. Voilà. Si on n'arrive pas à avancer dans le jeu, ça sera à cause de ce bug de merde. C'est super, merci beaucoup. Allez. Chiant.
Voilà, on remet. Allez. Laisse-moi juste moi prendre la cellule, quoi. Voilà, allez hop. Voilà. Allez hop, on poursuit l'aventure, tant pis. Voilà, on pourra pas faire de troc, c'est super. Chapitre 7. Et la lune descend sur le temple qui fut. Camp du centre d'opération de l'armée. Général Merlot, la mission pour récupérer les terres au nord-ouest se déroule comme prévu. Cependant, il y a deux bémols. Je vous écoute. Premièrement, les Bermonds ont capturé les habitants des villes et villages pour les amener dans une localisation inconnue. Deuxièmement, la gigantesque machine qui repousse les Bermonds n'a pas encore été identifiée. Une machine non identifiée ? Affirmatif. Toutefois, compte tenu des impressionnantes traces qu'elle laisse sur son passage, nous pensons qu'il s'agit d'une sorte de char géant. Je vois. Bien, continue les investigations. Nous devons en savoir plus à son sujet. Compris, général. Oh, c'est marrant ces îles flottantes là. Avec des têtes de chiens à l'envers là. Regardez ces gros machins qui volent. Eh bah, D'accord, ok. Ce sont les stats. Ah! J'avais activé le mode auto. On raconte qu'elles ont été conçues il y a très longtemps. L'un des enfants a été blessé, ah oui, faut les mettre au pieu. Pour aider lui, cuisiner, manger un steak frites, dormir, bon bref. Sox, on va l'envoyer dormir. Ok. Sox, on va l'envoyer dormir direct, comme ça le blessé pareil. Alors, hop, hop, hop. Mais il y en a plein en fait des blessés. Allez, tout le monde au pieu les gars. On se remet. Oh, du level up. Ah bah tiens, elle veut faire une pêche à la ferraille. Et on va l'envoyer faire une pêche à la ferraille. Un fil de nylon. On va mettre le niveau de difficulté max. Ah, l'art a changé d'ailleurs, elle a été rajoutée. Ok. On peut rien améliorer, c'est super. Ah, parce que le bug, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup le bug. Je veux cuisiner. Un steak frites.
Ok. Du coup. Donc lui il veut explorer des ruines. Oh mais ils sont trois à vouloir cuisiner. On va avoir une conversation de mec. Le retour des conversations de mec. Vous avez pas manqué. Merci lui. Les ruines ne m'intéressent pas, mais je peux sentir les âmes de bâtisseurs qui les ont créées. Voilà. Conversation mec. On a dit qu'il faut s'occuper des poulottes. Hop. Et tiens, on va faire pousser des fraises et des pommes. Rafistoler. On va faire de la pêche encore. Hein. On va essayer de trouver des chargeurs là et putain. Tellement relou ce bug de merde. Attends, déjà on va remonter. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants en haut. Ah tiens là déjà. Un ressort, parfait. Cellule d'énergie, ça c'est bien aussi. Là y'a rien. Canon chargeur ressort, on peut trouver tout ça, ok bah go. Ok, on a trouvé des canons. Malte qui est aimé par pas mal de gens, donc normalement ça devrait bien booster. On va voir. Ah putain, il est resté à 75%. Ah, un sacré succès. Ok. Oh oui, ça je peux améliorer. Oh oui, le canon. Allez. Amélioration réussie. Et en plus, un petit niveau en plus pour Malte. Bien. On a augmenté le canon. Voilà. Au moins, c'est pas perdu. J'avais pas vu que j'aurais pu augmenter le réacteur. On l'augmentera à la prochaine. On l'augmentera à la prochaine, le réacteur. Hein. Avec qui je pourrais parler? Oh bah tiens. Hop. Oh bah parfait, en plus elle voulait parler avec quelqu'un. Allez. On retourne au combat. Exploration de ruines, c'est parfait. Va vraiment nous montrer à chaque fois... Ah. Balance Anna. Qui on va mettre? Et Kyle, tiens. Ok, le coffre est là. Ok, là il y a un mur. Oh là! Hein? J'ai cru qu'il allait nous avoir lui. On pourrait trouver des balles, s'il vous plaît. Oh la vache.
7 balles. Allez. Ça, c'est bon, ça. Tiens. Ça vous a permis de trouver un fragment de cristal. Fragment de cristal encore. Oh merde. Bien. On a la clé. Allez. Alors, forcément raté à cause de la furtivité. Ah, mais même quand on rate, je viens de voir que ça ramène des PV quand même. C'est bon à savoir, ça. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Oui, j'en suis sûr, je suis passé par ici quand je me suis échappé. On va bientôt voir mamie et papy. Oui, s'ils sont là. Niveau soins et tout, on est bien là. Route sûre, route normale. Allez, on fait la route normale. Niveau soins et cellules énergétiques, on est vraiment bon. Ok. Là, mon pote, on va te remettre derrière. Allez. Ah. 110, ouais. Ça va, ça va. Ça fait quand même du dégât. Et hop, on le bute. Salut Tsum! Comment vas-tu? Merde, j'ai pas vu combien il y avait de...
d'ennemis. Il fait chaud, mais c'est le week-end des toits. Ça va également. Effectivement, le fait que ce soit le week-end, bah, on est bien content. Bon, merde, lui là. Tac. Allez, touche. Oh oui, il a touché. Oh oui. Allez, bim. Et on va faire une petite compétence. Ah, le week-end est enfin là. Et ça fait plaisir. Ah bah, du coup, on va remettre... on va remettre le canon, hein. Après il fait chaud, bon ça c'est quand même... il fait moins chaud que les derniers jours. Hein. Quand même plus appréciable. On respire un peu plus quand même. Ok. Route dangereuse, il n'y a qu'un seul combat. En trois games. Allez, on va prendre la route dangereuse. En plus il y a un peu de soins avant. Voilà, 2400. Très bien. Oh genre, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se met à furtivité. Ah, ils sont trois, j'avais pas vu. Allez, touche. Merci. Oh mais... Ça y est, ça va commencer. Ah, mais d'accord, ça inflige peur. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais mourir? Mais... Mais comment ça se fait? Ah si, c'est à cause de ça, c'est à cause de la... Putain. C'est à cause de la peur, mais putain, mais ça fait chier aussi, lui, là. Ah, super, hein. De toute façon, tiens, je peux faire ça, à la limite. Oh là là, mais... Allez, elle a pas peur. Voilà, merci. Pourquoi t'es vénère? Parce que mes... Oh... Elle arrive à peine dans le fight, elle a peur et elle est blessée. Bah super. Ah voilà. Et j'ai peur. Ça m'énerve parce que la RNG a décidé, voilà. Que c'est bon, j'avais perdu. Voilà. J'ai rien fait, il me reste 81 PV. C'est super. Et en plus, je peux pas changer ma formation. C'est super. Oh. Ça a arrêté tout le monde sauf lui. Sauf un ennemi. Abusé. Ah. Regarde-moi ça. Voilà, elle est déjà blessée. Attaque tous les ennemis, dégâts supplémentaires aléatoires. Allez, parce que là... T'es sérieux? Est-ce que je pourrais jouer, s'il vous plaît? Oh là là, non mais... Voilà, ils font que ça, à la chaîne.
Là, en fait, c'est pas un combat difficile, c'est un combat que tu ne peux pas gagner. C'est abusé. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait me laisser jouer? Il rate son coup alors qu'il n'a plus peur. Ah si, il a encore peur. Mais pourquoi le symbole n'apparaissait pas? Au bout d'un moment... on sait être chiant. Bah si, je peux débuff, mais l'ennemi il fait ça à tous les tours. Donc quel intérêt? Quel intérêt de débuff si je me refais... tu comprends? Si derrière je me refais peur direct, ça n'a aucun intérêt. Comme par hasard, maintenant ils ne le font plus. Hein. Ah, il le refait. Allez, voilà. Il y en a un autre derrière. Hein. Il inflige peur là. Fais-le reculer. Oh la vache. Putain. Ils vont tous finir blessés ou... ou capoute. À l'aide quoi. Ah lui il a plus peur. Allez. Ok. Oh là là. Au secours! Hop! Recule, vilain! Super, il fait que rater lui. Mais bon. On a peur, au bout d'un moment, ça ne me surprend plus. Voilà, c'est bien. Allez! Troisième et dernier affrontement du combat. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est quoi? Ah putain, et l'autre, c'est des gros canons. Ah bah non, bah obligé de prendre elle. Hein. Elle est blessée, mais bon, tant pis, hein. Allez. Super, ça en touche qu'un seul. C'est parfait. Une attaque surpuissante qui ne touche qu'un seul ennemi. C'est bien. Tout va bien. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'on fait? On restaure les PV ou on se défend? Ah non, parce que derrière, après, ils sont deux à attaquer. Donc on va se restaure. Ah, ça fera pas beaucoup, ça.
Allez, gros soin. Bien. Lui, il est pas mort. Rappelons quand même que le jeu n'a pas fait grand chose pour m'aider en tout début de partie, vu qu'un bug m'empêchait de pouvoir faire du troc dans le village. Donc on n'a même pas pu avoir de quoi améliorer notre tank. Ah super. Merci. Merci jeu. Le même qu'hier, oui, exactement le même. Allez, on remet lui. Exactement le même bug. On va se défendre là. Ah tiens. Pas beaucoup de dégâts, hein. Attends, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon, elle attire personne, elle. Ok. Voilà. Si tu pouvais, s'il te plaît, baisser le blindage de l'ennemi. Ah mais elle va réagir, parfait. On va pouvoir foutre son blindage à zéro. Yes. Elle a pas une compétence de soin, tiens, allez hop. Hop, on y est. Voilà, la fin du mode héros. Attaque tous les ennemis, dégâts supplémentaires aléatoires, mais on s'en fout. Un remède. Bon, on se défend. Ah, il se met colère. Ça part... Voilà, là ce qu'on vient de voir, typiquement, c'est illogique. Dans tous les RPG tour par tour comme ça, enfin dans tous les RPG, normalement, un ennemi possède les mêmes capacités que toi, ton personnage. Si toi, tu peux faire une compétence et après ça passe ton tour, l'ennemi c'est pareil. Quand il fait une compétence, il peut pas réattaquer derrière, c'est pas logique. C'est des trucs qui sont énervants. L'ennemi est largement favorisé. Allez, on a réussi. Mais à quel prix? Du level up! Allez, roule! Alors. C'est quoi l'autre? Ok, c'est jaune. On va garder Anna. Ah. Qui l'a soigné? Et du coup, on va s'acharner sur lui là. Okay.
Il y a qu'un combat, je crois. Hein. Ouais. Ok. Ah, le niveau 25 a qu'un personnage de trophée qui vient de tomber. Ok. Regardez, quelqu'un semble être inconscient là-bas. Est-ce que serait-ce... Nouveau perso ! Oui, un dogo. Chinawa, son chionenga, Tibu, Moshu, Yojo, Karanigaste, Kreta, Chionen, Datokiski, Omega, Ken, Saika, Yodoroki, Kansha, Serunodata. Est-ce que tu vas bien? Mais cette fille, où suis-je? ベルマン帝国の少年だったのだ。怒りをあらわにするもの、怯えるもの。子供たちは様々に反応したが、少なくとも好意的な反応ではなかった。 Comment on pourrait croire les paroles d'un berment? しかし, Chinaだけは 自分を助けてくれた少年を信じ みんなに助けてくれるよう頼んだ. Pas de mauvaise personne, s'il vous plaît, on ne peut pas l'aider. Shina. 子供たちは彼を完全に信用することはできなかったが Shina の頼みを受け入れ少年を助けることにした. Il nous ont rejoint. Bridz. Merci de m'avoir aidé à m'échapper. Je me suis inquiété quand on a été séparés. Je suis content que tu ailles bien. Ils m'ont sauvé. J'espère que ma mère et ma soeur sont toujours en vie. Ça me peine de te le dire, mais s'ils sont toujours au camp, rien ne garantit qu'ils soient vivants. Nous devons faire vite. Allez. Oh putain, mais il y a un autre combat qui arrive là après. On va à trois parties carrément. C'est ça l'armée secrète de Gasco. Un seul engin ne réussira pas à percer nos défenses. Ils pensent nous intimider grâce à leur taille. Arrêtez-les! A tous les coups, c'est ce pourri qui leur a dit qu'on arrivait. C'est de moi que tu parles? C'est pas le moment, préparez-vous au combat. Il est violent lui. Jin là. Jin, c'est un méchant. Et les méchants, on n'aime pas trop ça. Tiens. Voilà, comme ça. Comme ça, ça sert très bien. Allez, hop, ça recule. Et merde. Allez, on défonce lui. Voilà, lui, c'est mort. Les tanks vert pomme non plus, c'est vrai qu'on aime pas ça les tanks vert pomme. Par contre le thé glacé à la pomme là. On est en train de boire. Ah, lui il est plutôt cool. Lui on l'aime bien. Oh, mais ils m'emmerdent à cracher leur fumée, eux, là. Hein. C'est vrai, mon shaker est vide. Ah bon? Déjà? Non, je rigole. Allez, perce-moi cette carapace, là.
Pas le tien peut-être. Eh non. N'est pas encore vide. Il est même pas encore à la moitié. Ah, c'est plus compliqué de le vider vide pendant que je joue. Pendant que je commande surtout. Je suis sûrement plus gourmande que toi. Non, j'aime bien essayer de faire durer quand même. Peur que ça dure une partie du live quoi quand même. On peut tuer lui, voilà qui est fait. Oh la vache, il lui a fait un beau critique. Oh, Shina est blessé. Heureusement que j'ai un interlude juste après là. Ok, double frappe. Camp de détention des services secrets Berman. Bah, c'est un gros chat. Le docteur Blutmurtz. Blutwurst, me dit-on à l'oreille. Ah bah oui, c'est un chat en fait. Qui se déguisait en Doberman. Comment avez-vous pu laisser ce char arriver jusqu'ici? Ce laboratoire vaut plus que toutes vos misérables vies réunies. Vous nous envoyez vraiment désolé. Ah, et docteur, votre masque. Tais-toi, je suis pas un de ces répugnants félinéco. Au rapport et que ça saute. Oui monsieur, ce char est une vraie forteresse sur roue. Il possède une telle puissance qu'il est parvenu à traverser plusieurs de nos lignes. Ne laissez pas s'approcher du laboratoire, quoi qu'il en coûte. Oui monsieur. Ah, je suis entouré d'imbéciles. Qu'importe, je dois récolter autant d'énergie que possible pour le général Axe. Nous voulons remettre en route le cœur du dieu disparu, il nous en faut bien plus. Un petit interlude. Blut, ça veut dire sang, et Wurst, c'est saucisse. Donc c'est le docteur Boudin Noir. Ah, un bon gros boudin. Un bon gros boudin noir. Vos compagnons ont un rôle crucial pour le développement de l'histoire. Seuls des liens forts entre tous les enfants nous mènent au véritable dénouement. Comment ça? Essayez de renforcer les liens entre Britz et plusieurs enfants. Pas d'humeur à faire grand chose. Ah, il faut qu'on parle à... Ah, on peut améliorer l'atelier. Oui, on peut améliorer des trucs. Oh oui! Oh, le blindage et le réacteur. Oh oui. Voilà, PC Max 118. Ça, c'est bon, ça. On peut augmenter les PV. Ça va passer à 9000. Ok. Et enfin, la mitrailleuse.
Voilà. Faisons pioncer les... Merci, mais t'en fais pas pour moi. Va te faire foutre si t'es pas content. Alors... Toi t'es blessé. Bah tiens, faisons dormir Brix aussi. Et quoi, c'était vieilles notions d'allemand qui reviennent ou... C'est juste que t'as fait une recherche. Ok, tout le monde va mieux. Genre. Ah, faut parler avec elle pour qu'elle aille mieux. Ça arrive à tout le monde. Viens, on fait une farce. Commencez à tendre l'oreille, ça va prendre du temps. Oh. Elle est déprimée, faut lui parler. Je laisserai pas mourir. Ah, accent complètement mieux. Ça se prononce ya, foutu latin. Ah, pardon. Et j'ai que ça qu'à dire. Il pleut, c'est pas beau. Ah, mais attends, faut aller dans le centre d'observation, là, c'est où? C'est là, on n'avait pas regardé. Mystérieuse relique qui flotte au-dessus de la terre sacrée des incantations. Oui, ça on avait vu. Ok, il n'y a plus rien à examiner. Très bien. Brit! Ah, on peut parler avec Shanna. Elle est où? On a trouvé un ressort. On aime bien ça, nous, les ressorts. De la tôle. Oh, mais c'est bug d'affichage, là. Oh, ça se fait que c'est bugué comme ça. Elle est là. Tu faisais quoi avant notre évasion du camp? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, c'est un choix important de quitter l'armée et de fuir son propre pays. Oui, c'est vrai. Les enfants soldats comme nous s'occupaient juste des sales boulots et des corvées. J'étais celui avec la pire réputation, étant donné que mon père a trahi le pays. Mon père est un traître? Était. C'est la vérité. En représailles, il a été exécuté et j'ai été enrôlé de force dans l'armée. Tout le monde savait ce que mon père avait fait. Même toi, tu peux imaginer comment ma famille a été traitée, non? Alors tu essayais d'échapper à tout ça? Non, c'était pas la seule raison. Mais bon, on en parlera une prochaine fois. Je suis désolé, c'était pas une question facile. Très bien. Pourquoi il y a deux petits points à l'autre là? On va manger de la soupe de chou. Il y en a plein qui ont faim. Hein. Il veut jouer avec Poulotte dans la ferme. Je vais manger de la tarte aux pommes. Oh putain. On veut tous manger de la tarte aux pommes, mon frère. Elle est où, la tarte aux pommes? Tiens, ça augmente l'expérience acquise au combat. Il y en a un qui veut discuter entre mecs. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Voilà, toi, on peut faire qu'un seul plat, on n'avait pas assez de PA. Allez. Et Jean qui veut discuter entre mecs.
Il est là. Je voulais faire payer avec mes points, pas avec des incantations. Voilà, il est content. Ben on va prendre Malte et puis on va aller faire qu'il s'occupe d'une poulotte. Il aime bien ça lui les poulottes. On peut améliorer la ferme. À la ferme, mais quelle ferme? Cette référence. On peut améliorer l'enclos. L'enclos a été agrandi. Alors, la ferme donc, on a dit. La ferme, mais quelle ferme? Qu'est-ce qu'on fait? La poulotte, déjà, on a dit. Hein? Ah, j'ai plus assez. J'ai que 1 PA, il faut 2 PA. Ah, oh, on peut pas s'occuper de la ferme. À la ferme? Mais quelle ferme? Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y en a... Où la barre est quasiment à fond, genre. J'ai pas la ref. Quand tu l'as vu. Yes! Ouais, parfait, vous voulez parler avec quelqu'un. Bon bah go, hein, repartir au combat. À la ferme, mais quelle ferme? À la ferme ta gueule. Voilà. Le grand détournement. Route normale ou route sûre? Pour l'instant, on va aller vers la route normale. Oh la vache. Quand je vois les PV qui nous restent. Bon, là, il n'y a qu'un seul combat. Allez hop. Mais je pense pas qu'on ira faire le combat dangereux. Hein. Parce que ça craint un peu du cul quand même. L'état dans lequel on est là. On est dans un sale état. Allez bim. Faut pas être méchant comme ça, voyons. Raté sa première attaque. Oh, mais ça y est, ça commence. Faudra le revoir ce film. Oh, moi j'ai déjà vu plusieurs fois, donc au bout d'un moment. Il y a d'autres films à voir. Ma chère et tendre. Un petit soin. C'est un petit soin. Dis donc, faut pas être méchant comme ça. Pas très gentil d'être méchant. Allez, on va mettre le gros canon. Puis ça nous permet des petits soins gratos. Allez. Attaque un ennemi au retournement et augmente la vitesse des alliés. Ok. Augmente temporairement la chance. Alors, du coup, nous disions route normale, route dangereuse. Il y a 3 combats qui sont compliqués. Plus le normal en haut, on voit là. La route normale, c'est 3 fights. Vu comment on en chie un peu là, on va plutôt prendre la route normale. Hein. Ça fait peur ces conneries.
Oh là là, mais encore les gaz là, oh là là. Ils sont pénibles ces ennemis là. Hein. Oh, genre, je l'ai raté. Oh, mais à l'aide! Ce qui est bien, c'est que les PV, le gain de PV gratos des attaques normales se fait quand même si on rate la cible. Ça, c'est pas trop mal. Alors, très bien. Bah, j'ai envie de te dire, on va reprendre elle pour l'instant. Voilà. Un bien beau combat, oui. Ah, ça devient un peu plus compliqué. Oh, mais comment ça, il attaque en premier? Je suis pas d'accord, hein. Oh, le one shot. Il est content de venir, lui. Non, on va garder lui. De toute façon, même si on loupe les attaques. Ça va quand même nous soigner. Ah. On va faire du soin du coup. Hein. Ouais, mais pas trop non plus. Allez, on se rejoigne encore un coup. Bon, c'était la fin du mode héros, super. Ah oui. Attaque tous les ennemis au sol. Et attaque puissante pour infliger fumigène à tous les ennemis au sol, ok. Attaque normale, restaure des PV, c'est amélioré. Résistance des blessures, c'est amélioré, ok. Des PC avec les attaques. Ah, Shina Lassa restaure des PC avec les attaques normales. Ah, mais va falloir la mettre plus souvent en allié alors.
Il va falloir mettre China plus souvent en allié. En priorité parce que bon ces enfoirés là voilà ils peuvent appeler du renfort pour s'en débarrasser voilà ok. Alors on remet les big canons. Alors du coup, route dangereuse, il y a deux combats. On est comment? Il y a que deux combats. Que deux combats, il y aura quand même du bon loot. Il y a du soin et du PC direct. Allez, on va se la tenter. Parfait, on est full partout. Ah oui quand même, ça fait peur. Attaque tous les ennemis et restaure des PC. Les attaques font mal, hein. Ça montre rarement la chance de coup critique. Et attaque tous les ennemis. Ah mais c'est que pour elle. Non c'est pour tout le monde, c'est juste que ok. Avec tous les ennemis. Oh mal t'es déprimé, oh là là. Bon, après c'est le combat difficile hein. Donc bon, c'est logique. Ok. Changeons. Voilà. Bien. Et d'un.
Ah, l'effet est parti, ça y est. Ok. Bien. Bien calculé mon coup. Un gros soin. Voilà, là on le bute. Ok, deuxième combat. Là. C'est quoi défense direct? Oula, mais ils ont l'air résistants eux là. Bah, comment ça se fait? Comment ça ils sont aussi... Oh là là. Il a peur et tout. C'est quoi déjà? Attaque duo? Bien, tout le monde est retardé. Oh. Allez. Oh mais déprimé carrément. Ah bon. Ah, l'autre il ajoute colère. Sur qui? Que sur lui? Que sur lui. Oh et oh. Doucement peut-être non? Le reculer. Lui aussi. Oh, mais elle est blessée. Elle vient juste d'arriver. Voilà. C'est vrai qu'il faut infliger les chocs à un ennemi. Tire perçant, mais on s'en fout du tire perçant en fait. Là. Voilà. Allez, lui c'est fait. Allez, on se défend. Oh. Mais elle arrive, elle est blessée et déprimée. Direct, quoi. La fête au level, là. Allez! Go prendre le gros loot là. Et en plus du soin. Bon, pas mal de soins. On a récupéré tous les PC aussi. Allez. Deux fights. D'accord. Ah, le canon là fait quand même de l'effet. Parfait.
Bordel. Oh, ça l'a pas tué. Attaque normale touche 6 fois, what? Ah oui, quand même. Il est pas mal son coup à lui là. Regarde-moi ça, bim bim bim. Malte touche 3 fois un ennemi, triple frappe. Bien, alors, route sûre. Route normale. J'ai bien envie de prendre la route normale. Allez, go. Bonne dose de PV. Là, il n'y a qu'un seul combat. Oh, ça l'a buté direct. Et ça, c'est beau, ça. Oh, voilà. Les volants, c'est fait. Il est pas mal son mode héros à Britz, là. Allez. Fin du mode héros. Donc la vitesse après les attaques, ok. Hop. Voilà, faisons ça. Tire par 102, allez hop, on va le refaire. Un tour pour en buter un. Oh, Boron est blessé. Ça continue, on va pas pouvoir tous les foutre au lit. Hein. Allez.
Oh mais... Bon, putain, il vient à peine d'arriver, c'est abusé. Chiant. On va voir comment ça se passe comme ça. Déjà fait moi reculer lui là. Ça devient... Il voit pas à peur. Ça devient dur. Mais oui, ça devient dur. Qu'est-ce qui se passe? T'as abusé d'un coup là, au but noir. Tête brûlée. Attaque un ennemi et augmente les dégâts à chaque utilisation. Oh la vache! C'est ça qu'il faut que je fasse en fait, c'est des attaques... C'est des attaques PC qu'il faut que je fasse. Je touche 4 fois un ennemi. À tous les ennemis même, carrément. Il est où? C'est là. Un peu de chance, ça le tue. Voilà, ça le tue. Comment ça, je peux pas faire compétence? Putain, il me faut un personnage pour me soigner là. Berceuse, berceuse. Non, on s'en fout. Là. Compétence berceuse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. On triple la vitesse d'action, carrément. Oh, mais raté. Ah. Tiens. Allez, on va faire une petite berceuse. Voilà. Fin du mode héros. On s'en fout, on va le buter. Voilà. Non mais... touche 5 fois un ennemi, mais inflige peur à Boron. Bah oui, bah comme si on n'avait pas déjà assez de peur comme ça. Oh là là là. Route sûre ou route normale? Il y a deux combats, non mais... Tout le monde est quasiment KO, route sûre. On prend juste le loot et puis voilà. Hein. Non mais, on est quasiment tous au bord de la mort. Au bout d'un moment. Oui, on sait qu'il y a des enfants qui sont tombés, oui, oui. Allez, allez, hop. On peut améliorer s'il vous plaît, allez hop. Le lance-grenade. Allez, niveau 10 pour le lance-grenade. On peut rien améliorer d'autre. Bon, allons faire dormir les gens. Oh la vache. On va pas pouvoir faire dormir tout le monde là. Boron. Ok, tous les blessés, on peut les faire dormir. C'est déjà pas mal.
Regarde-moi ça. L'écran de la dépression là. Les trois là. Ah la vache. Il faut leur parler en plus hein. Y'a personne qui va bien. Bah tu m'étonnes. Y'en a plus pour longtemps. Là se sent légèrement mieux persévérer. Arrête-toi, ne t'approche pas de moi. Ah, Anna se sent complètement mieux, parfait. Je te protégerai. Ah, ça va, Mel était déprimée, mais pas non plus... Pas non plus trop, quoi. Boron. Boron, il faut qu'il réconforte... Malte, il est où, Malte? Il est où, Malte? Personne qui va bien, bah ouais, bah c'est la guerre en même temps. Je crois pas qu'on se bat contre quelque chose de trop grand pour nous. N'abandonne pas. Persévérer, ok. J'ai tué quelqu'un de mes propres mains. Pour protéger tout le monde. Quel enfoiré. Ah, c'est bon. C'est bon, il est rétabli. Petit grossier. Ah mais lui aussi il est pas bien là, oh là là, mais Blitz, nous sommes impuissants. Combinons nos forces. Pourquoi tu te bats, tu peux gagner. Pour tout le monde. C'est bon. Ok, tout le monde va mieux. Ah la buanderie, oh oui. Est-ce que quelqu'un veut le faire? De la ferraille. Putain, personne ne veut faire. Ah si, je veux faire la lessive, la gamine. La gamine veut faire la lessive. On va la faire faire avec Blitz. Allez les potes, faites la lessive. Yes, par infinité, elle a augmenté. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent poser ou pas? Ah oui. Alors il est où? Il se cache. Il est où ce con? Il est là. Séquence duo. Tu fais quoi? J'espère que tu me prépares pas une farce, hein? Non, c'est pas ça, c'est rien. Oh, je vois. Ça fait peur parce que je suis un Berman. Un Berman, c'est ça? C'est pas grave, je peux comprendre. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un peu peur. T'es honnête, je suis pas en colère, t'en fais pas. Oh, tant mieux. Tu me rappelles... Oh, rien, laisse tomber. Hein? Ok, salut. Tu me manques, Frita. Il a perdu son amoureuse? Ok, ils ont développé une attaque duo tous les deux. Qui voulait pêcher là? Jean. Ainsi que Kyle. On va envoyer Kyle faire de la pêche. Niveau difficulté maximum. Chargeur canon acier. Ah. Ah, mais pareil, du coup, un seul, ça fait pour les deux, d'accord.
D'accord. On pourrait augmenter au niveau 20. On a de la marge en fait encore. La prochaine augmentation de l'atelier là. C'est bon ça. Ah oui, pratique effectivement. Quatre aciers, on pourrait booster le blindage, mais on n'a pas. Ok. Bah avec les 3 PA qui nous restent, on va bouffer. Hein. On n'a pas des trucs qui augmentent les attaques là. Putain, on n'a plus assez de... C'est de la viande qu'on manque, mais on peut pas faire de viande. La viande, on la trouve seulement. On n'a pas de quoi en faire, nous. Yesh. Bah on va augmenter la chance de d'attaque critique hein. Voilà. Bah, comme par hasard il y en avait un qui voulait bouffer des pommes de terre au four. Ok. Bon bah go la fin du la fin du chapitre. Ok, on est full. On est full partout. Entrée du camp de détention des services secrets Berman. Taranis a finalement réussi à détruire le mur de défense du camp de détention. Il y a un masque de chien qui un étrange individu. Bah oui, effectivement. Soyez maudits! Comment osez-vous mettre à mal mes plans? Je ne laisserai jamais mon laboratoire et mon matériel entre vos sales petites pattes! Sale démon! Tu espères continuer tes folles expériences? Seul le général Axe sait à quel point mes plans sont grandioses. Un jeune troufion tel que toi ne peut pas comprendre. Les Felinico possèdent de la bioénergie en abondance. En récoltant cette énergie appelée Nono, nous créons des biobatteries. Les Nono ! Cette énergie incomparable va ouvrir la voie du progrès. Néanmoins, chaque avancée scientifique demande des sacrifices. À vrai dire, ce n'est pas un sacrifice, c'est un honneur pour eux. C'est mon barjo, hein. C'est horrible! Comment pouvez-vous? T'es un sale type! Tu nous as capturés pour ça? Quelle horreur! Ah oh bah oui, bah j'avais pas besoin que tu me le dises. Hein. On va mettre fin à ces projets. Hein. Une grosse carapace. C'est une grosse... Oh putain, niveau 7 protection d'armure, la vache. Comme dame la musique, hein. Tellement ouf. Grosse, grosse carapace. Ouais. Allez. Oh, mais... J'en ai marre. La RNG de ses morts là. Oh mais ça l'a même pas tué. Oh là là. À l'aide hein. Oh mais. Mais arrête de rater tout. Merci. C'est dingue. Oh la vache, ah oui quand même. Alors. On va remettre Blitz. Là on va remettre Anna. Et Boron. On va
Voilà, on va faire ça comme ça. Celui qui attaque juste à la fin. Un gros soin s'il vous plaît. Aïe. Parfait. Très bien. On va percer son blindage. Oh. Ah mais il ouvre sa carapace. Par contre, du coup, ils vont se défendre. T'as bien fait. Voilà. Les gros canons, s'il vous plaît. Oh la vache, eh. J'ai pas tant de dégâts que ça, hein. Seule victoire réside dans le canon des âmes. Arrête avec ton canon des âmes, tu nous saoules toi là. Oh. Attaque tous les ennemis, histoire des PV, tiens, faisons ça. Voilà. Il est en train de charger son canon. Trois tours, il a dit. Hein. Tiens, on va faire ça. On va le garder pour plus tard. Touche l'ennemi trois fois. Bien. Pour deux tours. Comment ça? Comment ça encore un tour non maintenant? Ah l'enfoiré. What? Mais n'importe quoi! Bah non, je suis pas d'accord. Oh. Depuis le dernier interlude, reprendre au dernier. Au début, mais on s'en fout. Je suis pas d'accord, j'avais 6000 et quelques PV, faut pas déconner. N'importe quoi. 6000 et quelques PV, ça m'a tué. Ça m'a one shot. Et bah putain. Et en plus de ça, ça t'annonce 3 tours et non, c'est que 2. C'est dégueulasse du début à la fin. Il y a une attaque qui hausse. Bah je pense pas que ça hausse parce que sinon c'est abusé, tu peux pas l'esquiver. Allez hop, lui c'est fait. Oh, raté. Ouais, bravo. Hop. Attends, parce qu'après dans 3... Elle sort des PC avec les attaques normales. Elle, on va le garder. Augmente la précision. Vitesse augmentée après l'usage de compétences.
Quoi comme ça? La jauge d'attaque d'eau se remplit plus vite. Ok. Là, on met Bouron. Là, on met Anna. Mais ils ont pas de jauge, en fait, ces deux-là, là. Ah oui, d'accord, ils ont pas de jauge duo, en fait, eux. C'est quoi, résiste à la peur et, et déprime. Ah, bah tiens, on va mettre ça. Allez, go. Voilà, ça c'est fait. Ouverture de la carapace. Montons temporairement les coups critiques. Fait voir du coup, est-ce que ça va augmenter les PC? Ah oui, de 1. Ok. On dira, c'est déjà ça. Hein. On dira, c'est déjà ça. On va le garder pour plus tard. On va juste se défendre. Voilà. Charge énergétique. Voilà. Donc ça va durer que... Ça va pas durer what, 1000 ans. Ça va durer que 2 tours. Ta connerie là. On se met full soin. Full défense. Et du coup, je veux voir avec tous mes PV. Risque des enfers. Avec tous mes PV et. Oh, putain. Comme par hasard, ça fait beaucoup moins. Évidemment, Nick. Ça a mis peur à tout le monde. Peut-être que pendant 3 tours, c'est ça? Oh, et en plus, il appelle des renforts. Oh, il va être infernal, ce boss. Oh, il appelle des renforts 2 fois. Il avait une compétence qui dissipait toutes les peurs. Oui, mais faut que je retrouve quel personnage le fait. Qui fait ça? Oh, qui fait ça? Un message a été supprimé. Oh, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Merci de bien faire le taf. Le problème, c'est qu'on peut pas voir. Putain. On voit pas les compétences personnage par personnage, c'est abusé. Super, on peut pas utiliser de compétences carrément. Encore quelqu'un qui te suit sur Twitter et qui veut un retour. Comment ça? Oh, mais il a raté. Il m'a raté.
sais pas dans quelle liste tu as été mis. Ah ouais, faudrait peut-être que je regarde ça, ouais. Je peux pas faire l'attaque duo. Kit de soins. Putain, les grands kits de soins, ça rend pas tellement. Ça rend pas tellement. Elle a encore combien de temps la peur là? Même ça, on sait pas. Ça, c'est mal fait. Hein. Y a pas d'indication de combien de temps, combien de tours il reste encore à la peur. C'est mal fait. Ça, c'est des trucs. Normalement, les devs auraient dû penser. Bordel. Oh, pirate. Oh, mais... Oh là là. C'est normal, deux fois plus puissante. Tiens, voilà, allez hop. Oui, c'est fait. On peut toujours pas utiliser là les soins. Ah, bien sûr, de la carapace. Mais pourquoi je peux toujours pas? Ça fait plus de 3 tours là. Mais vous déconnez! Défense. Enfin, que tu fasses un tri de tes followers sur le Twitter de la chaîne, c'est quasi que des faux comptes de pub ou d'animation. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Et du coup, ça se entend virer tout le monde. Quasiment. Eh oui, j'ai bien vu ça. Hein. Et ça commence à me lourder. Hein. Ça fait beaucoup plus de 3 tours là, c'est bon. Putain. Et on va lui faire l'attaque du haut. Allez, hop. Ah, charge énergétique, super. Bon, il va jouer après. Se soigne. Se soigne, on fait défense quoi. Oh. Les dégâts à l'aide quoi. Ah merde, je peux plus. Je crois que ça se rapproche de la fin. Comment ça? Le jeu? On en est au chapitre 7. Donc on regarde. Ah tiens. Disons le blindage, ouais. On en est au chapitre 7. Regarde. Putain, mais non! Tu rates pas! Oh là là! Oh, puis je peux pas utiliser mes compétences. Oh, te faire. Au bout d'un moment, quoi. Regarde combien de chapitres il reste. Je crois qu'il y a 12 chapitres. Hein. Je crois.
Ah, super, appelle des renforts, allez. Attaque tous les ennemis, dégâts supplémentaires aléatoires, allez hop. Ah ça c'est bien. M'emmerde. Une berceuse ou l'attaque duo là. Allez, attaque duo. Ça peut tuer les alliés là. Parfait. Ça a bien tué les alliés. Attaque pouvant infliger brûlure à un ennemi. Attaque puissante pouvant infliger fumigène à tous les ennemis. Moi j'aimerais bien lui mettre brûlure. Le problème c'est qu'à chaque fois ça marche pas quoi. Alors. On va les virer hein. De toute façon maintenant ils ne servent plus à rien donc comme ça au moins c'est réglé. Ah lui à 92% là ils ont bientôt mis leur... une défense hein, en vrai. Je trouve pas le nombre de chapitres, ah bon. Allez, soigne-nous. Allez, fais de la brûlure, s'il te plaît. S'il te plaît, brûle-le. Oh. Aïe. Oh, attaque duo. Réduit le niveau de blindage. Ouais, mais là, il est pas blindé. Oh oui tiens, retarde-le. Ok. Un petit critique. La berceuse. Aïe. Oh mais on va crever. Oh là 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 là, on va crever. Fort. Ah. Je
Le truc, c'est qu'eux n'ont pas peur, donc j'ai envie de les virer. Mettre que des cons qui ont déjà peur. Comme ça, au moins, eux, ils sont protégés, tu vois. Suis-je assez clair? Défense. Ah oui, tiens, on va le retarder. Allez, bim. Super. Il est chiant ce boss, hein. La vache. Alors elle, elle a plus peur, mais putain, du coup elle est déprimée, c'est ça ? C'est ça que t'es en train de me dire ? C'est ça que t'es en train de me dire, hein. C'est quoi ça ? La chance d'état à l'enfant qu'on ne peut pas utiliser de compétences et d'attaque duo, voilà c'est ça. Ça soigne comment? De être réconforté pour guérir cet état, putain. C'est des trucs que tu ne peux pas soigner en combat en fait. Donc en combat, t'es baisé. Super. Dès que t'as des primes, t'es niqué. Tu peux plus rien faire, c'est abusé. Moi si ça continue comme ça, le canon des âmes, je vais l'utiliser. Hein. On va sacrifier Britz là. Hein, ça va être vite fait, bien fait. Ce bon vieux Britz. Oh non. Ah oui, mais bon, au bout d'un moment. Moi que moi aussi ça m'emmerde, mais on voit bien que là... On voit bien que là c'est compliqué. Ah putain! Mais comment ça? 4000 il a récupéré! Je vais rien dire parce que... Du coup, il peut pas utiliser de compétences en fait. Donc la chance au critique. Allez, on y retourne. Thank you.
Ok. Objet, grande cellule d'énergie pour récupérer des PC. Usons quand même un peu son blindage là comme ça parce que... Ah je l'ai pas avec elle? Ah si j'ai que tir perçant 1. Ah d'accord. Une petite défense. Alors, la choix de carapace. Ah mais merde, mais du coup... Ah oui. Du coup, je peux pas faire l'attaque du haut. On double la vitesse d'action. Gambatte. C'est bien ma petite. Tiens. Oh. Tiens, recule s'il te plaît. Défense. Ok. Attaque tous les ennemis et augmente l'attaque. Oh, ça fait que 1005 de dégâts, quoi. Oh. Abuser. Parce que là il va faire son attaque de mort là. Voilà, revirons déjà. Tous les autres. Oh attends. Ah merde, j'ai plus. Dommage. Je me dis, j'aurais peut-être pu. Oh 6700 et quelques. Mais la vache, mais arrêtez. Mais les dégâts, mais c'en est stupide. C'en est débile tellement il fait mal. Ouais. C'est qui là-haut? Ah, c'était lui. Ah, c'était eux. Vitesse augmentée après l'usage de compétences, mais je peux pas utiliser de compétences avec lui. Je pourrais pas l'utiliser de son.
Ouais. Ah tiens. Ah oui, mais c'est normal. Les deux, ils traînent toujours ensemble. Voilà. Et comme ça, c'est qui reste là? Ah oui. Ouais, bah allez, hop, on y va. Compétence. 4 fois tous les ennemis. Allez, hop. Voilà. Attends, mais là depuis tout à l'heure je me souviens pas au fait hein. On est bon. Voilà, je préfère faire ça. Ça au moins il ne peut pas se soigner. Ok, double la carapace direct. Attaque critique là. À l'aide. À l'aide. Il faut que je la mette à l'abri. Voilà, ce duo là, faut le mettre à l'abri. Lui aussi. Ça. Ah oui, pas mal là. Cette personne qui ignore le blindage de l'ennemi.
touche 3 fois un ennemi et réduit son niveau de blindage de 2, on s'en fout. Non mais non, on va prendre un objet, on va prendre une grande cellule d'énergie. Voilà, pour assurer au prochain tour. Attaque du, on peut pas, on s'en fout, défense. Il se reprotège. Entre les points faibles et le blindage de l'ennemi. Ok. Attends, ce duo là c'était qui? Ah oui, c'était eux. Voilà. Voilà. Putain, il appelle des alliés. Fois tous les ennemis. Normalement, on va l'avoir. Ok, ça l'a touché. Il est blessé en... Voilà, fin du mode héros pour Boron. Compétence, toucher 4 fois tous les ennemis, normalement celui du bas il meurt. Oh, on l'a eu! Oh putain! Oh la vache! Oh, comment ça technique S? Comment ça on a eu un S en technique? Ah, ah bon? Eh ben dis donc, le jeu est très généreux. Eh ben on l'a eu dis donc, sans utiliser le canon, on en a chié hein. La vache! Attendez, ça mérite bien une... un peu de thé glacé là, tout ça. Hein. Ah. La fête au level up. Hein. Et bah... Au secours. Non, mes recherches! Tout sera détruit! Tout sera perdu! Si je meurs, mes travaux vont... Eh bah tiens, meurs! Allons sauver les prisonniers!
Est-ce que mamie et papy sont ici? Allons voir. C'est terminé. Tenez bon tout le monde. On vient vous chercher. Qu'est-ce qu'ils font? その中にはすでにエネルギーを限界まで吸い取られ、すでに死んでいるものもいた。子供たちは不安に胸を潰されそうになりながら、家族の姿がそこにいないことを祈り、機械から人々を解放していった。 Ah, Sheena. Sheena a pu se réconcilier avec sa famille. Ah. Sheena et sa famille ont encore été épargnés de l'énergie de la vie. Sheena's mère a été malade et n'était pas consciente, mais Sheena a appris que Sheena n'avait pas de danger. Après, elle a continué à libérer, mais Sheena et ses autres enfants ne pouvaient pas trouver Sheena à cet endroit. 解放した人々の話によると、ここにいない捕虜はやはりラサープス溶岩地帯の収容所に移送されたらしい。タラニスの子供たちはシーナと別れて先へ行こうとしたが、シーナはそれを拒んだ。On reste ensemble jusqu'à ce que toutes nos familles soient sauves, non? Je vais mieux. Alors laissez-moi vous aider. 望みを捨てまいと、複雑な思いを胸に。 Ruine du camp de détention des services secrets Berman, plusieurs jours plus tard. Le char qui a vaincu l'armée Berman serait contrôlé par des enfants, et un fugitif de ce camp serait avec eux. Les gentils sont à la traîne, il serait peut-être temps qu'ils nous rattrapent pour nous aider. Terminé le chapitre 7, c'est fait. Oh, sympa la petite illustration là. Avec le gros chat nazi là. Il est vilain! Illustration de Itsu Zirobo. Eh bah, un chapitre bien compliqué. Je pense même qu'on va s'arrêter là pour ce soir, du coup, parce qu'on aura sans doute pas le temps d'en attaquer un prochain. Enfin, on aura le temps de l'attaquer, mais. La vache! Très bien. Putain, d'ailleurs, on a oublié de faire un truc, là. On a oublié de lire les aventures de sucre. On a oublié de lire les aventures de sucre. Oh non. Ce bon vieux sucre. Ce cher petit sucre. Attendez, parce que là... J'espère qu'on va pouvoir faire du troc. Hein. Voilà, on va save et on va reprendre direct. Mais oui, mais oh! D'habitude, les jeux ne demandent pas tout le temps si on peut reprendre le 10h56 de jeu. Et encore pour toute la semaine prochaine, je pense. On sait que ça sert à rien en temps de guerre. Prendre cellule d'énergie. Oh putain, le bug il est toujours là, mais c'est abusé, c'est quoi ce bug? Bon allez, on ferme. Voilà.
On ferme. On va se mettre sur l'écran du Xbox Live, tiens. Tac. Hop. Du Xbox Live, du Game Pass. L'écran du Game Pass. Voilà. Voilà qui est. Bien. Donc Fuga. Hop, Fuga, c'est là. Comme vous pouvez le voir. 19h, effectivement. Alors les trophées. Niveau de la complétion des chapitres. Donc là, le 7. Qu'est-ce que ça annonce? Il y aurait 12 chapitres. En tout et pour tout, ok. Donc il en resterait 5. Il nous resterait 5 chapitres pour terminer l'aventure. Terminer Fuga. Melody of Steel. Très bien. Bon. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter là pour ce soir sur Fuga. On va s'arrêter là pour ce soir. On va se donner rendez-vous demain avec mon camarade Florian. N'est-ce pas? Pour continuer Arigami. On avait commencé il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, il me semble, qu'on l'avait commencé. On va sans doute du coup le terminer demain. On va faire en mode speedrun, parce que bon. C'était sympa, mais bon, c'était pas non plus ultra passionnant. Donc, à mon avis, mode speedrun demain pour terminer Arigami, voilà. Et comme ça, on discutera après de ce qu'on fera ensemble en duo, en sachant que là. Florian va être en plein déménagement, donc ça va être un peu compliqué pour lui de live sur la chaîne. Mais voilà. Demain, aux alentours de 14h, live duo avec Florian sur Arigami. Voilà, et puis on verra si on fait des trucs dimanche. Du coup, merci de m'avoir suivi. Demain, 14h, Arigami avec Florian. Merci, et à demain. Salut, salut. À demain, et bien sûr, sans doute à la semaine prochaine pour la suite de Fuga. Voilà.